Le chantier se déroule bien, nous sommes dans l'étang, notamment grâce à Gilles qui est le chef de chantier pour l'entreprise Lefebvre. Combien de pierres a changé au total, Gilles? À peu près 800 pierres. Mais ce sera au fil du temps, on verra bien, parce que avec la période, ce qui n'est pas fini. Voilà, on est avec Gilles, le responsable du chantier, et avec Ricardo. Qu'est-ce que vous faites, Ricardo, aujourd'hui? Alors moi, je redonne des formes à la sculpture qui est abîmée par l'érosion, par l'air de la mer, une partie manquante. Donc, je rajoute du mortier, puis je donne les formes pour que ça ressemble à ce qu'il y avait dans le temps. Et Jean-Roch est aussi sur le chantier depuis le début. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Roch? Votre métier, qu'est-ce que c'est? Alors, mon métier, c'est appareilleur. Donc, le métier d'appareilleur, c'est de repérer en premier lieu toutes les pierres qui sont bonnes à remplacer. Donc là, on va changer de joint à joint. Et une sur deux, on va faire des greffes. Beaucoup de travail sur les gargouilles aussi. Celle-ci est en bon état. Celle-ci a déjà été démontée, elle est en atelier de sculpture et elle va être replacée quand elle sera refaite. On voit bien ici l'érosion liée au sel, au vent, à l'air marin. Toutes les explications sur les travaux de l'église sont à retrouver sur ces panneaux.